collez bien sur les côtés. Non, retournez dans les coins. La baignoire, vous allez l'utiliser? Ouais, c'est la nôtre, les enfants ont la leur. Il suffit d'une fois. Bien sûr. Vas-y, Céline. Et derrière, là-bas aussi. Longez le canapé. C'est insupportable, ce bruit. Vous pouvez pas l'arrêter. Et si elle a un petit peu de retard, même 10 minutes? Il ne faut pas être en retard. Vous avez les horaires d'assignation prévus par le juge? Oui, entre 19h30 et 5h du matin tous les jours. Il faut s'y tenir, impérativement. L'escalier, là, ça met nous? On a une terrasse. Regarde, c'est là. Tu peux me déposer sur la place, là? T'es sûre? Je sais pas si je peux faire ça. Dépêche-toi. Va s'asseoir. Les 5 étages sont identiques, une 30aine de chambres à chaque fois. Et là, je suis sur les chariots. Combien de fois faut-il vous le répéter? Venez, s'il vous plaît. Il devait avoir de bonnes relations. La direction du groupe a exigé que je vous prenne à l'essai sans même vous rencontrer. D'habitude, il faut au moins passer un entretien. Enfin, vous allez peut-être vous révéler exceptionnel. Vous revenez de Lisbonne, c'est ça? Oui, j'y ai vécu 7 ans. Et vous n'avez jamais travaillé dans l'hôtellerie? Si, je m'occupais des groupes. On travaillait beaucoup avec les hôtels, les réservations. L'agence a fermé à cause de la crise.
terrible, cette crise. On va vous choisir un casier dans les vestiaires. Pour aujourd'hui, vous pouvez poser vos affaires là. Allez. Je vais vous choisir une veste. Je vous encourage à porter une jupe. La clientèle apprécie. Je vous laisse rejoindre Nadia. Elle va vous expliquer le fonctionnement de la réception. N'oubliez pas, cheveux attachés. Et souriez. La facture de la 53, s'il te plaît. Alors, il y a deux bières, un coca et trois appels, c'est ça? C'est ça. Oui. Tout a été prélevé sur la carte. Merci, au revoir. Au revoir. Oui. Pour quand? C'est toi, Héloïse Landon? Bonjour, je suis arrivée ce matin. Je t'ai pas trouvée sur Facebook. Normal, j'y suis pas. On va travailler ensemble? Moi aussi, je suis à l'essai. Et il y a qu'un seul CDI. Je te préviens, c'est chacune pour soi. Vous en voulez? Merci, non. Ah. Bah, viens. Ah, bah. Entre, ma chérie. Vous lui faites une petite place? Non, mais je veux t'attendre. Vas-y, vas-y, assieds-toi. Merci.
C'est bien ses cheveux, non, Michel? Ah oui, bien. Très bien. Bah, où tu vas, toi? Tu veux pas de dessert? Je t'ai fait ta tarte. Oh! Agnès te parle. Clément, t'as encore du travail? Michel, je voulais te remercier pour ce que t'as fait. Ça va bien se passer à l'hôtel. Mais c'est normal, écoute. C'était important pour ta mère. Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, ça va être froid. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais t'as pas un double des clés? Si, mais je sais pas où elles sont. On a plus vite fait de trouver ce foutu sac. Je l'ai! Il est là! Allez, Céline, on y va. Héloïse. Héloïse, pardon. Petit déj après 10h30, c'est syndical. T'es prête à tout, hein? Tout pour plaire à Ruiz. Donc, monsieur Lancré, le 26, une chambre pour deux nuits, petit déjeuner compris. Oui. Oui, oui. Vous avez un numéro de carte client? Non. Alors, est-ce que je peux avoir votre numéro de carte bleue, s'il vous plaît? Oui. Oui. Très bien. Merci. Au revoir. Vachement bien, le mec. Grand, sourire ravageur. Pas con, en plus. Et monté. Oh. Une bête de compétition. Il fera l'affaire pour cette semaine. Et toi, t'es mariée, c'est ça? Il fait quoi, ton mec? Il enseigne l'histoire. Ah ouais, enseignant.
Genre un télo? Avec la petite raie sur le côté? T'avais une miette. C'est bon, laisse-la tranquille. Allez. Bah attends, on a le droit de savoir, je suis curieuse. T'as une photo de ton gars? On peut le voir? Bah tu veux pas me montrer? Pourquoi elle me répond pas? On n'est pas assez bien pour ça. Ferme-la, ok? Hey, hey, hey. Ça suffit. Ça suffit toutes les deux. Allez. On y va, Ruiz va nous pourrir. Bois ton café, prends ton temps, ok? Allez, on y va. Et attention, les filles, hein? Elle est énervée. On vient. Personne ne connaît votre véritable identité. Non. La direction du groupe hôtelier me couvre. Vous avez fait une demande pour changer de nom? Mon avocat a déposé la demande au journal officiel. Et le dossier pour le ministère est prêt. Mais je sais que les délais sont très longs. Et surtout, je doute que vous l'obteniez. La philosophie du droit n'efface jamais complètement le passé pénal. Bon, comment ça se passe, votre travail? Ça va. Un peu tendu, il faut prendre sa place. N'oubliez pas que sans emploi, je pourrais pas vous accorder la libération conditionnelle. Non, mais ça va, je vous dis. Et le bracelet, vous vous y faites? J'arrête pas de courir, je sais pas si je tiendrai 3 mois comme ça. Mais si, je verrai, vous y parviendrez très bien. Ouvre-moi. Je suis désolée, j'étais coincée. Je t'ai pas réveillée, j'espère. Bonne nuit. Allô? Oui. Mais si, elle arrive. Bah oui, je sais, bah je te vois. Mais dépêche. M'appelle, il est là. Salut. Héloïse. Lydia. Ah, Bruno. Ah, pardon, mais téléphoner en marchant avec des béquilles, je vous promets, c'est une vraie performance. Bonjour. Bonjour. Bruno. Héloïse.
Enchanté. On y va, là? Allez. Oui. Je vais derrière, hein, parce qu'avec ma jambe, là. On y va, vous montez? Et moi, j'ai découvert le covoiturage à cause de ma jambe, là, parce que je pouvais plus conduire. Bah, c'est l'idéal, hein. C'est économique, c'est écologique. Parfois, c'est même sympathique. La voiture, c'est 12% du budget des ménages, 70% des déplacements domicile-travail, un seul passager dans 80% des déplacements. Ah, mais c'est déprimant. Nous, là, c'est la consommation collaborative assurée. Et qu'est-ce que vous faites? Non, pardon, mais c'est quelque chose que tu as envie de savoir quand on rencontre quelqu'un. Donc, moi, je suis informaticien spécialisé dans les stats. Et toi? Je suis agent de réception dans un hôtel Porte de Clichy. Ah, vénard. Ah, j'adore les hôtels. Il y a toujours des histoires marrantes dans les hôtels, non? Et tu fais ça depuis longtemps? Je viens de commencer. Je vivais à Lisbonne avant. À Lisboa? Mais je connais, hein? C'est magnifique. Tu sais, dans un petit bar du Barrio Alto, j'ai pleuré en écoutant une chanteuse de fado. Non, j'ai pleuré. C'est déchirant, le fado. T'es pas d'accord? Oui, c'est vrai. À demain, merci. Service ? Bonjour, petit hein? Déjeuner. Non, non, surtout pas cette soirée. Non, mais écoute, là. On fait 800 et puis c'est bon, voilà. Hein? Pourquoi? Bah non, j'ai vu ça avec Marc. Ça reste à 800, on se revoit la semaine prochaine et puis on fera un débrief avec tout le monde. Bonne journée. Tu t'es passé toute la nuit sur ce dossier, c'est pas bon. On va rester sous ce qu'on s'est dit. Je souhaiterais régler. Tout s'est bien passé? Mes voisins de chambre ont fait beaucoup de bruit. J'ai mal dormi. Dans ces cas-là, on peut intervenir. La prochaine fois, monsieur, n'hésitez pas à nous prévenir. Et vous leur dites quoi? Arrêtez de baiser, c'est ça? C'est un stronz. Au revoir. Bonjour, Héloïse. Bonjour. Héloïse, ça vous va plutôt bien. Pardon? Vous êtes toujours aussi belle. Vous n'avez pas changé. Héloïse, je suis content de vous avoir retrouvée. Vous devez confondre, monsieur. Je suis Pierre Vitrac. Vous vous souvenez? Vous m'avez écrit. Nous avons une correspondance. C'est erreur, on ne se connaît pas. Alors, je ne fais pas ça. Nous avons l'un et l'autre, n'est-ce pas? Vous désirez une chambre? Pas de chambre. Merci. Et je reviendrai vous voir. À bientôt. T'as un fan? C'est qui? Je sais pas. Un malade? Non, t'inquiète pas. Ils viennent et puis ils se lassent. Voilà, c'est ça. Pour deux nuits, hein. Chère Céline Klein, je vous ai découverte à la une des journaux et votre visage m'a happée. J'ai suivi tout votre procès. On vous accuse d'être une criminelle. Mais moi, je sais que votre geste était nécessaire, inéluctable. Avec courage, avec sang-froid, vous avez rendu justice à la dignité humaine.
et ce n'est pas ce jury délétère qui me fera penser le contraire. J'ai surpris plus d'une fois vos larmes silencieuses. Elles m'ont bouleversé. Si je peux vous aider, de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas. Je serai toujours là. En pensant à vous, chaque jour, Pierre Vitrac. Vous connaissez depuis longtemps ? 10 ans. Oh la vache ! 10 ans avec le même bonhomme ? T'as pas envie de changer des fois ? Avec un type dans les stades, par exemple ? Non, mais 10 ans, ça paraît fou. C'est rare aujourd'hui. Vous êtes rencontrés où ? Dans une voiture. J'étais devant, il était derrière. Il parlait tout le temps, il avait une attelle. Je l'ai trouvé irrésistible. Oh, ça va, le toupib. Oh non! Oh non, pas ça! Bah, moi j'aime bien. Oh non, pitié! Change your heart! It will astound you. Le slow, c'est la seule danse que je connaissais. La classique ou l'érotique? Parce qu'il y a deux écoles, hein. Alors, la classique, tu mets les deux mains sur les épaules dès le début. Voilà, ça déroule. Classique, quoi. Et l'érotique, là, tu poses qu'une seule main au départ, et la deuxième pendant. Du coup, t'as le droit à la progression, tu peux remonter les mains le long de son corps, c'est autorisé. T'as le droit. Enfin, c'était il y a longtemps. Tu seras plutôt classique, alors. Moi aussi. Bon, bah moi, si vous voulez savoir, j'étais le prince de l'érotique. Qu'est-ce que j'ai pu choper ? Au revoir. À demain. Je viens de voir un truc dingue. Quoi ? Elle a un bracelet électronique. Hein ? Bah à la cheville, je te jure. Elle a fait quelque chose de grave, hein, c'est sûr. Mais tu fantasmes. Flore, elle l'appelle le hibou. Non, ce qu'il me regardait. T'aurais du feu, s'il te plaît. Tiens. Merci. Tu prépares le bac, là, c'est ça? Ouais. Ça va, je pense que je vais l'avoir. Tu sais ce que tu veux faire après? Non, pas trop. En tout cas, ma mère m'a dit que t'étais très bonne élève. Elle exagère. Ça va avec ma mère? Elle te saoule pas trop? Non, non. Elle est plutôt cool. Je l'aime bien. Bah, je t'ai réveillé, je sais, ouais. Mais dès que t'arrives, bah tu m'appelles. Ouais, je t'embrasse. À tout à l'heure. Tu savais pas que t'avais une fille? Bah, tu sais pas tout. Finalement, on ignore la vie des gens. Leur mystère. T'es pas d'accord, Héloïse? Sûrement. En même temps, c'est peut-être mieux comme ça. Parfois, faut mieux pas savoir.
Au revoir. À demain. Eh, t'es pénible avec tes sous-entendus, toi. J'ai trouvé. Quoi ? Elle s'appelle pas du tout Héloïse. Cette fille, c'est Céline Klein. Tu te souviens pas ? C'était un véritable oiseau de nuit. Elle tapait des mecs à l'appel, elle était toujours un peu défoncée. Tu vois le genre ? Elle a tué ce banquier hypermédiatique, Luc Henriot. Le mec a été retrouvé dans sa cuisine, deux coups de couteau dans le dos. Non mais t'imagines ? C'est pas elle. Mais tu vois bien que si. C'est incroyable de tomber sur cette fille, non ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a basculé en 3 secondes. Tu vois, c'est bien pour 2 minutes. Donc vous avez la 104. Voilà. Bon séjour. Merci beaucoup. J'ai eu un appel du siège. Ils m'ont demandé si ça se passait bien avec vous. J'ai dit que ça allait pas trop mal. Pourquoi vous obstinez avec ce pantalon ? Je vous ai demandé de mettre une jupe. Parce que j'ai un trou dans la jambe. Je ne sais pas quoi inventer. Alors, c'est la chambre 209. Vous prenez l'ascenseur, là, et puis c'est le deuxième étage. Ça sera sur votre lit. Vous avez une porte de fichier. Bonjour. Nadia, votre écoute. Bonjour. Mais on n'attend pas Bruno ? Il viendra plus. En fait, ils lui ont enlevé son attel. Mais je croyais que c'était à la fin du mois. Non, enfin, je sais pas. Ça change rien à votre participation ? Bah non, il n'y a pas de raison. Partage. Elle a quel âge, votre fille ? Asma, elle a 16 ans. J'ai plutôt de la chance parce que on s'entend bien tous les deux. Sauf vers 13-14 ans, là, ça a commencé à se compliquer. Elle était un peu... Enfin, je comprenais pas trop. On parlait pas la même langue, elle était... Enfin, j'en ai bavé, quoi, un peu. Mais là, maintenant, ça va mieux. Il y a d'autres problèmes. Je vois.
Très bien. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Mais j'ai eu cet âge-là, moi aussi. Avec les charges et le remboursement, il va plus vous rester grand-chose. Hein. Oui, 450 euros par mois, à peine. Je dépense rien. Bon. Donc, le premier virement a donc commencé le 4 de ce mois. Alors, la somme totale dont vous êtes redevable à la veuve de la victime, ses deux enfants... Ah oui, 143 000 euros. C'est un début. L'hôtel m'a demandé si je pouvais travailler de nuit. Oui, j'y vois pas d'inconvénient. On va adapter les horaires d'assignation. C'est pas facile, la nuit. Pas les jours non plus. Oui, ça sera plus calme, j'imagine. Alors, vous signez là. Non, non. T'as du feu, ça? Oui. J'en ai plein le crâne. Mon père me saoule. Faut la mention. Faut la pression. C'est parce qu'il l'a pas eu. C'est plutôt une chance. Mon père à moi, il savait même pas quand je passais le bac. Il m'avait oublié. Il est venu te voir quand t'étais là-bas? Antoine? Mmh. Oui, un peu au début. On n'a jamais vraiment été proches. Après, quand il a eu son accident, j'ai demandé une autorisation pour aller à son enterrement, on me l'a pas donné. Mon pauvre père. On s'est raté. C'est comme ça. Ça te gêne pas trop, le bracelet? C'est un enfer. J'ai l'impression d'avoir un flic à côté de moi en permanence. Je voulais vous dire, je vais travailler de nuit à partir du 24. Du coup, je vais devoir arrêter nos voyages. Ah bon? Eh bien, je vous réglerai pour la fin du mois.
Ouais, non, mais bien sûr que non. De toute façon, moi, je suis pas sûr de continuer. C'est bien le covoiturage, mais... on sait jamais trop sur qui on va tomber. Non, mais enfin, je veux dire... imaginez que je tombe sur un vieux grincheux, là, qui râle tout le temps. Non, c'est sûr, après vous... j'arrête. Sinon, il y a une autre solution. Je pourrais faire mes nuits à l'hôpital. Comme ça, on ferait les trajets le soir vers Paris. Ce serait bien, mais j'ai ma fille. Je suis venu exprès pour vous voir, j'ai fait un long trajet. Attendez-moi là. Là, je reviens. D'accord, dans la salle? Dans la salle, là. Je reviens. À tout de suite, hein. Je prends sur votre temps de travail, je suis désolé. Mais je voulais vous voir. C'est plus fort que moi. Écoutez, je vous dois rien. J'ai répondu à votre première lettre. Je vous ai remercié. Je vous ai aussi demandé de plus m'écrire. Vos lettres suivantes, je les ai pas lues. Je voudrais oublier mon passé. Vous avez pas le droit de m'en empêcher. Je veux juste vous aider. Le monde extérieur est dangereux. Les hommes sont des bêtes, hein, avides de sexe, d'argent, des prédateurs. C'est leur nature. Ils vous feront encore du mal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, non. Ben si, répondez-moi. Vous savez tout de moi, je sais rien de vous, c'est pas juste. Vous avez un métier? Une famille? Je ne parle pas de moi. Vous ne manquerez de rien. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de vous. Fichez-moi la paix. C'est entendu. Je ne reviendrai plus. Mais en échange, il faut qu'on se voit. Et de temps en temps. Où bon vous semblera. Je vous laisse ma carte. Vous m'appelez, hein. Bientôt, Céline. Allô? Ouais, là j'arrive sur la place. Bah là maintenant j'y suis. Oui? Bah moi non. Ouh, le feu, il y a un feu là, Non, je te vois pas. Mais je te vois pas, je te dis. C'est pénible, hein. Non, je sais pas où. Là, regarde, voilà, t'es là, regarde. Excusez-moi. Ne dis pas bonjour, ton copain? C'est pas le moment. Bonjour. Tu m'en refais plus jamais un coup pareil, hein, t'entends? Non, ça va, ne rajoute pas, je suis là. Non, ça va pas. Et si j'en rajoute?
Non, mais tu te rends pas compte, j'étais mort d'inquiétude, moi. J'envoie un texto, je suis pas là, je dors pas là ce soir, c'est pas compliqué, si? Bah, j'avais plus de batterie, c'est son colocataire, là, qui m'a filé une recharge ce matin. Mais ton ami, il a pas de batterie? Si, mais je connais pas ton numéro par cœur. Eh bah, c'est regrettable. Franchement, t'es pénible, hein. J'aurais préféré vous épargner tout ça, je suis désolé. Non, pas de problème. Tout a été prélevé sur votre carte. C'est parfait. À bientôt. Merci. Au revoir. Ruiz m'a demandé de rester près du séminaire au cas où. J'ai pas eu le temps d'aller checker le 6e étage. Elle peut y aller? À moins qu'elle soit débordée. T'exagères. T'aurais pu me prévenir avant. Tu peux aller voir si les chambres du 6e sont faites. Le groupe arrive dans une demi-heure. Tu presses les filles, ok? Je dois être au brief dans 5 minutes. Vas-y, je le dirai à Ruiz. T'en as pas pour longtemps. Service? J'ai décidé de vous accompagner à votre hôtel. Vous m'en voulez pas? Mais pourquoi ça va vous retarder, non? Non, pas du tout. Je travaille pas aujourd'hui. Puis c'est notre dernier voyage. Et puis ça me fait plaisir. C'est Porte de Clichy, c'est ça? Vous pourrez peut-être se tutoyer, non? Si vous voulez.
serait pas plus pratique pour vous d'habiter Paris? Enfin, pour toi, d'habiter Paris? J'aimerais bien. J'aimerais bien profiter un peu plus de la ville. J'ai pris des mauvaises habitudes au Portugal. Je sortais, souvent. Le soir, il y a des bars qui s'improvisent. C'est très joyeux. On se sent libre. Tu connais Lisbonne? Non. Mais j'aimerais bien y aller. Mmh. T'as des projets pour ce soir? Non, mais parce qu'en fait, quelques amis à moi qui m'ont convié à fêter mon anniversaire, donc si tu pouvais venir, moi, ça me ferait plaisir. Je peux pas, je suis désolée. Ah bah, j'aurais essayé. C'est pas grave. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Peut-être à bientôt. Ouais. Ouais, j'espère. Au revoir. Je peux vous dire un mot? Ça peut pas attendre? Non, mais c'est à propos de mes horaires, en fait. Je voudrais savoir si le samedi, je pouvais commencer à 20h30 au lieu de 20h et terminer une demi-heure plus tard. C'est important que je sache par rapport au bus. Écoutez, c'est pas le moment, on verra ça demain, d'accord? Oui, d'accord, mais sur le principe, vous ne voyez pas d'inconvénient. En fait, il faudrait que je sache tout de suite par rapport au bus. Écoutez, Eloïse, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Merci beaucoup. C'est un remplacement de dernière minute. On m'a pas laissé le choix. Bah, le temps de rentrer, je serai chez moi à minuit et demi au plus tard. Oui, c'est exceptionnel. C'est ici l'anniversaire de Dieu? Oui, c'est ici, entrez, allez-y. C'est par là. Bonsoir. Idir? Salut. Salut. Ça va? Ça va. Bah, vous voulez boire quelque chose? Il y a du champagne, du vin, ou quelque chose de plus fort? Champagne. Très champagne. Mais fallait pas. Bah, on offre des cadeaux pour les anniversaires, non? Ouais. C'est vrai, merci. Bah, j'ouvre alors.
plus grand slow, volume 1. Merci. On va le mettre, alors? C'est pas obligé, hein. C'est bien que tu sois là. Allô? Oui. Elle arrive. La voilà. Oui. Oui, la voilà, elle est rentrée. Oui, ça y est, ça s'est arrêté. Oui, merci, monsieur. T'as vu l'heure? C'est la troisième fois que ça sonne. Qu'est-ce qui te prend? T'étais où? T'as de l'argent? Quoi? T'as de l'argent? C'est pour le taxi, j'ai pas assez. Il attend devant. Vite. Tu vas voir un rapport, hein.
Ils me l'ont dit. Ouais, moi, j'y suis pour rien. C'est mon travail, je leur expliquerai. Mais je peux pas y aller, moi. Maman, il a mon sac. Tu peux le prendre, s'il te plaît? Tu révisais chez un pote, là, c'est ça? Exactement. Comment tu sais? T'as du rouge à lèvres plein la bouche? Mais non. Et? Quoi? Bah quoi, elle est comment? De quoi, comment? Vas-y, raconte, elle est comment? Bon, bah... Elle est malicieuse, tu vois? Malicieuse. Elle va super vite. Tout ce à quoi je commence à penser, bah, elle l'a déjà formulé. Ça va à toute vitesse. J'adore. Enfin bon, on verra si ça dure. Puis tout le monde la drague, c'est infernal, faut que je me batte. Mais t'es amoureux. Ça arrive pas si souvent. Pourquoi? Je pense qu'on peut être amoureux 10 fois, même 20 fois dans sa vie. Tu penses pas? Je crois que moi, j'ai jamais vraiment été amoureuse. Enfin, si, quand j'avais 12 ans. D'un garçon que j'ai jamais embrassé. On s'est même pas parlé. Tu pourrais peut-être le retrouver. Ouais, mais je connais pas son nom. Oui? Oui, entendu. C'est pour une nuit, c'est ça? Oui. Merci. À ce soir. Au revoir. Tu viens dimanche, alors? Je te présenterai mon fils. D'accord. Avec plaisir. Bon, fume ta clope tranquille, il n'y a qu'un chat. T'es où, là? D'accord. Bon, tu bouges pas, j'arrive. Oui, t'inquiète pas. Oui. Oui, maman. Allez, à tout de suite. Je suis désolée, je vais devoir y aller. Elle a oublié ses clés, ça lui arrive tout le temps. Elle perd un peu la tête. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut lui ouvrir, un voisin ou... Non, non, les voisins, ils en ont marre, ils veulent plus en entendre parler. Non, elle est seule, il n'y a que moi. Ethan, chérie? Ethan, tu viens, on va aller voir mamie? Ethan! Non, je veux pas. Elle habite loin? À 20 minutes d'ici. Écoute, si tu fais vite, je peux garder Ethan. Oh non, 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 t'inquiète, hein, je vais me débrouiller. Si, si, je te promets. Nadia, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que je parte. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Merci. Après la tempête, le ciel devint bleu. Tiens, attention, c'est chaud. Ça va recommencer. Écoute, il faut que j'y aille. Hein? Tu restes sage. Tu bouges pas, hein? D'accord?
Je suis désolée, mais je te... Je pouvais pas faire autrement. Non, mais je te l'ai dit, je pouvais... Il fallait que je parte, quoi. Nadia, je suis désolée. Ça va, Ethan? Nadia? Nadia? Héloïse, c'est encore moi. J'ai essayé dire, pourquoi tu réponds pas à mes messages? Ça fait des semaines que t'as disparu et je sais pas quoi faire. J'espère que ça va. Si tu veux pas me revoir, dis-le moi. Bonjour. Attends, je dois te dire quelque chose. Je suis en liberté conditionnelle. J'ai des horaires d'assignation à domicile à respecter. Sinon, je retourne en Toul. Tu m'embrouilles ou quoi, là? C'est quoi? C'est un bracelet électronique. C'est pour ça que je suis partie en laissant ton fils. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué un homme. Un homme qui m'a violée. Je m'appelle pas Héloïse, mais Céline. Personne ne le sait. Je te demande de le garder pour toi, s'il te plaît. Salut. Salut. T'es rare, toi. Voilà. Votre surveillance électronique est terminée. Vous restez en liberté conditionnelle pour les deux prochains mois. Continuez à vous conduire de façon exemplaire et tout ira bien. Ils sont très bien, bonjour. Mais t'es ma fille, je peux bien héberger ma fille quand même. Nadia travaille deux jours et moi nuit. On va se partager la chambre. Ce sera plus simple pour tout le monde. Tu décides ça comme ça, d'un seul coup. Ça se passait pas si mal. J'ai peur que tu manques de quelque chose. Je suis fière de toi, tu sais. On se demande bien pourquoi.
veux dire. Je suis en retard, je suis désolée. C'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là. Ça va? Ouais, toi? Tu veux qu'on marche un peu? J'étais surpris de ton coup de fil. Ça m'a fait plaisir. J'aurais aimé te téléphoner plus tôt. J'étais très occupée. Non, mais je comprends. On donne ce prénom aux enfants nés difficilement pour les encourager à vivre. J'ai toujours eu besoin d'encouragement. C'est Kabyle, alors? Mes parents, ouais. Ils ont grandi là-bas avant d'arriver en France. Et à la mort de mon père, ma mère est retournée vivre dans ces montagnes. Mais moi, je suis né ici. Je suis un vrai parigot. Héloïse, ça vient de l'allemand. Ça veut dire du bois solide. Ça te va bien. Et ta fille, ça va? Ouais. Ça va. Elle est un peu rude avec son père, mais ça va. Elle m'a demandé tes nouvelles, elle voulait en savoir un peu plus sur toi. T'as dit quoi? Bah, j'ai dit que... Bah, rien. Enfin, si, j'ai dit que t'étais beaucoup monté dans ma voiture et que j'étais ton... Enfin, j'avais été ton chauffeur officiel. J'ai envie de voyager. Tu veux aller où? J'aimerais aller à Lisbonne. Enfin, y retourner. J'ai une amie très chère là-bas. Tu vas partir, je vais être triste alors. J'ai envie d'être près de toi. J'ai envie de prendre soin de toi. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Je connais ton histoire. Je sais qui t'es. De quoi tu parles? Je sais. Depuis quand tu sais? Mais ça change rien. Il faut que tu me fasses confiance. Depuis quand tu sais? Réponds-moi. Depuis quand? Eh, hey, moi je m'en fous de ce que t'as fait, de qui t'as été. Ce qui compte, c'est nous deux, c'est notre rencontre, tu comprends? Le reste, ça m'est égal. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Hein? Tu voulais voir jusqu'où ça irait? Ça t'excite en fait? Ça t'excite de taper une fille comme moi? Mais non, mais pas. Tu veux quoi? Tu veux me soigner, c'est ça? Mais je veux pas te soigner, mais eh, hey, moi. Mais lâche-moi! Eh, hey, si je suis là, c'est parce que tu me plais. Le reste, je m'en fous, tu comprends? Je veux juste être avec toi, là, maintenant. Tu comprends? Ne me touche pas. Je ne vais plus jamais te revoir.
La réception. Service. Ah, vous voilà. Je vous attendais. Venez, entrez. Vous êtes incorrigible. Hein. Les choses étaient claires pourtant. J'attendais votre appel. Mais non, rien. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Et moi, je me suis inquiété. Vous ignorez encore les sentiments que vous avez pour moi. Mais je ne vous en veux pas. Avec le temps. Vous verrez. Vous voulez boire quelque chose? Scotch. Sec. Venez vous asseoir. Je ne sais plus comment vous appeler. Céline... Héloïse? Céline. Je préfère. C'est beau, cette jupe. Ça vous met en valeur. Vous savez pas que vous aviez de si jolies jambes? Comment aurais-je pu? Il y a tellement de choses que j'ignore encore de vous. Et je veux tout savoir. Vous savez à quel point je vous aime.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Agnès Klein. Vous pouvez laisser un message, je vous rappellerai. Donc vous voyez, il n'y a rien. C'est bien là? Bon alors, comment ça s'est passé? Là, je me suis débattue, je l'ai repoussée. Sa tête, elle a cogné là, et après il était là par terre, il bougeait plus. La chambre a été faite à 10h45 et le service de nettoyage n'a rien signalé. Bon, et vous avez vu cet homme, là? Non, c'est pas moi qui ai procédé au check-out. Mais vous pouvez voir avec mon collègue, si vous voulez. Bon, c'est temps. Oui. Oui, on y est là. Bon, ok, je vous rappelle. Merci. Mon collègue a réussi à joindre ce monsieur Vitrac. Il dit qu'il est jamais venu dans cet hôtel. Je sais pas quoi vous dire. T'inquiète pas pour Louise, je m'en occupe. J'ai peur qu'il revienne. Qui ça? Ton type là? Mais si jamais il aura affaire à moi. Madame Cruz. Votre dossier est enregistré. Quel genre de vertige? Des maux de tête, de cœur. C'est la première fois que ça vous arrive? À ce point-là, oui. Vous suivez un traitement médical? Non. Vous avez des vomissements? Vous n'êtes pas enceinte? Non, non. Bon, un médecin va vous recevoir. Je vais vous demander votre nom, prénom et votre carte vitale, s'il vous plaît. Madame Klein? Oui. Vous me suivez?
Bonjour. Bonjour. Vous avez des vertiges, c'est ça? Je perds l'équilibre. Je m'évanouis. Je tombe. Ça vous arrive souvent? Assez souvent. Quand j'ai des chocs ou des émotions fortes. Quel genre de choc? Un choc amoureux, par exemple. Bon, bah, allez-y, tombez pas. Asseyez-vous. Et ça s'est produit récemment? Oui. J'ai cru qu'on m'avait manipulé. Mais en fait, c'était de ma faute. Il y était pour rien. Bien. Vous exercez une activité professionnelle? Je travaille dans un hôtel. Je suis pas sûre d'y rester. Je retrouve ma liberté la semaine prochaine. Je peux vous faire un aveu? Je vous en prie. Je me croyais fragile. Ah, peut-être que... je le suis moins que je le pensais. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Tout est trop grand pour moi. J'ai peur, en fait. Je suis pétrifiée de peur. Il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. Vous savez, les... les vertiges, c'est souvent dû à un dérèglement de l'oreille interne. C'est bénin. Non, c'est pas bénin. Je crois que je suis amoureuse.